La difficulté du français, c'est qu'il y a parfois des lettres qui sont assez proches et qui ne font pas le son que l'on entend quand on les nomme. Par exemple, ici, nous avons la lettre C et la lettre G quand on récite l'alphabet. Mais le plus souvent, C fait le son Q. Et le plus souvent, G fait le son G. Pour aider vos enfants, vous pouvez mettre un petit objet dont le nom a le son que nous visons, K, canard, G, gomme. Et nous faisons avec notre doigt. On commence le C en haut. K, 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 k. Le G commence par un rond, il se commence aussi en haut. Les gestes se mémorisent très bien. Il faut donc faire attention à suivre la façon dont se forme la lettre quand on écrit des mots.